Christine Bourgoin est policier, mais elle a peur quand elle sort de chez elle. Depuis plusieurs mois, cette mère de trois enfants est harcelée par des jeunes de son quartier. Son crime, être flic. La nuit du 27 avril à 3h30 du matin, mon véhicule 806 turbodé se trouvait ici, stationné juste en face de la fenêtre. Et donc le véhicule était en feu, j'ai un voisin qui m'a alerté, voilà, pour me dire que mon véhicule était en feu. Donc moi j'ai eu le réflexe de sortir dans le jardin. Ayant un appartement au rez-de-chaussée, j'ai déroulé le tuyau d'arrosage que j'ai acheminé à travers l'appartement jusqu'ici. J'ai escaladé la fenêtre et j'ai essayé de ralentir le feu. La tête du lit de ma petite fille est juste à côté de la fenêtre. Donc si le voisin n'avait pas donné l'alerte cette nuit-là, en sortant ses chiens à 3h30 du matin parce qu'il commencerait tôt le travail, ben Dieu sait quoi. J'ose même pas imaginer ce qui serait passé si quelqu'un n'avait pas donné l'alerte, quoi. Il y a eu aussi les insultes envers sa fille aînée. Les murs ont été blanchis depuis, mais des tags injurieux recouvraient les bâtiments. Bon, ça a été effacé. Hein, les insultes ont été effacées, elles se trouvaient là. Donc en gros caractères, assez volumineux. Et puis, Il y avait écrit quoi ? Marie la salope, fuck les keufs. Christine a pris des photos des graffitis. Leurs auteurs connaissent le prénom et le nom de sa fille. Pour éviter d'être repérée, Christine change régulièrement de voiture. Et lorsqu'elle rentre tard le soir, elle ne passe pas par la porte d'entrée, mais par derrière, pour éviter les ennuis. Donc voilà, je vais vous montrer. Je passe par ici. Donc avec des courses, c'est pas pratique. Voilà. Ensuite, avec son portable, elle appelle ses filles qu'elle a changé d'école pour lui ouvrir la porte. Donc s'ils sont dans la chambre, ils risquent peut-être pas d'entendre. C'est cela son quotidien désormais, se cacher et se terrer chez elle. Voilà. Voilà, donc je suis chez moi, je rentre chez moi. Christine Bourgoin est fière pourtant d'être brigadier. Au printemps dernier, le préfet l'a décorée pour ses 20 ans de carrière. L'un de ses voisins était de la fête, mais aujourd'hui les résidents refusent de l'aider par peur des représailles. Ils ont toujours et même à la limite été fiers de me fréquenter à une époque où il n'y avait aucun souci. Et maintenant que je rencontre des soucis, les gens me fuient, quoi. C'est assez paradoxal. Et d'ailleurs, ils sollicitaient mon soutien pour des courriers quand ils avaient besoin parce qu'ils ne savaient pas rédiger des lettres. Et puis maintenant, moi, je sollicite une attestation de leur part justifiant que j'ai toujours été un bon voisin. Et ben j'ai pas de retour.